Un expert royal a affirmé que le roi Charles souhaitait offrir à son petit-fils, le prince Archie, un cadeau unique pour son 5e anniversaire. Le prince Harry a nié les affirmations selon lesquelles il empêcherait le roi Charles d'offrir à son petit-fils, le prince Archie, un cadeau d'anniversaire unique d'une valeur d'environ 18 000 livres. Une source proche du duc et de la duchesse de Sussex a réfuté les allégations selon lesquelles le couple serait opposé au cadeau proposé par le roi pour leur fils, qui a eu 5 ans lundi. L'auteur royal Tom Quinn dit que le roi Charles avait suggéré de donner à Archie une cabane de berger, avec des couchettes et des étagères. Il a noté que le monarque avait déjà offert une cabane similaire au prince George et souhaitait faire de même pour Archie, démontrant la même affection pour ses 5 petits-enfants. Cependant, Quinn allègue que Meghan Markle souhaite que Archie associe ses anniversaires aux traditions américaines, car il pose fréquemment des questions sur sa famille royale basée au Royaume-Uni. L'auteur a partagé que Archie, 6e sur le trône britannique, est fasciné par l'idée que son grand-père vive dans un château, et Meghan craint qu'un cadeau tout aussi somptueux ne pique davantage son intérêt pour son héritage royal. Ces affirmations ont été rejetées par une source proche des Sussex, comme l'a déclaré M. Quinn au Mirror. Charles a également suggéré de donner à Archie une cabane, pas une cabane en plastique pour enfants, mais une superbe cabane de berger faite à la main, avec des couchettes, et Charles déteste l'idée que Harry puisse penser qu'il préfère un petit enfant plutôt qu'un autre, et il a déjà offert à Prince George une cabane similaire qui aurait coûté 18 000 livres.